une infrastructure avec des containers, donc ici sur le site. L'idée, c'est de construire maintenant, de lancer un concours d'architecture en plaçant plusieurs containers, donc pour avoir un lieu quand même beaucoup plus grand, voilà, mais qui reste à dimension de ce site, pour ne pas créer autre chose. Après, ici, on est dans un site industriel, donc ça c'était l'époque 18e, 19e, donc l'époque de la sidérurgie. Donc cette idée, elle est là, c'est de relier un petit peu nature, patrimoine et art contemporain. Des personnes viennent de l'extérieur, quand ils viennent de Bruxelles, de Liège, de Belgique, partout, c'est de dire, bon voilà, si vous avez deux jours, vous avez un jour à Metz, vous allez vous repasser le lendemain matin au Midam, au Casino Luxembourg, hein, si c'est des gens intéressés, et puis vous terminez votre promenade ici par une promenade en plein air, où vous découvrez aussi notre travail. On a vraiment envie de s'ouvrir à toute forme qui nous semble importante et qui nous semble importante à partager avec le public. Internet nous permet aussi aujourd'hui de ne pas être trop isolés. Les expositions ici du centre, ils sont aussi sur Plurianet. Ils sont aussi sur Plurianet, oui, bien sûr, parce qu'on essaie de voir, Audrey s'occupe de ça, donc de la promotion. Donc on essaie d'être présent là où on doit être présent. Je crois que c'est important, justement, ces sites qui reprennent un petit peu toute l'information au niveau de la grande région, ça me paraît vraiment important. Et depuis quand vous êtes présent sur Plurianet? Je crois depuis le début. Oui, je crois que c'est depuis le début parce que je me souviens être allé à la présentation faite par la communauté française à Namur de Plurianet. Voilà. Je ne sais pas qu'on était les premiers, mais on est en tout cas les premiers. Oui. On peut dire que le centre est vraiment bien intégré. Et il est aussi bon par rapport à une idée en général au niveau de la Belgique, au niveau de la grande région, de plus en plus de gens qui viennent vers ce centre-ci. Je crois qu'il y a encore du travail à faire par rapport à ça, c'est d'inviter les gens de Belgique à aller vers le Luxembourg, vers la Lorraine française, et vice versa.